Bienvenue les amis, épisode 5 je crois, Teen Alien Explorer avec vous. La dernière fois, la souche voulait qu'on trouve une graine de vitalité. Là on avait une graine ratatinée. Alors on l'a lancée dans un lac, et on a une graine de vitalité, et là je pense qu'on est le livré. Alors, c'est ça qu'on va tenter de faire dans cet épisode. J'espère que vous allez bien. Et que vous enjoyez cette série. Demain, à l'heure de cet enregistrement, c'est quand que Paper Mario Thousand Year Door va sortir. Puis je l'ai jamais joué, puis ça, je vais jouer ça sur ma chaîne après ça. Aussi, une autre affaire que je veux juste dire, c'est que mes streams sont en français et en anglais. Alors, si quelqu'un vient me parler en français, moi je vais leur parler en français. Si quelqu'un me parle en anglais, je leur parle en anglais. Si quelqu'un me parle en japonais, je les ignore. Ben, je comprends pas. J'aime la petite musique. Je pense qu'on se va dans la bonne direction, je me trompe pas. Mais là, je pense que je perds mon temps parce que je pense que mon sac est déjà rempli. Hey, boy! Qu'est-ce qui se passe? Et ça doit être des Goombas en arrière. Oh là là! Je ne veux pas voir ça. Sniff, je n'arrive pas à y croire. Il laisse un grand vide dans notre forêt. Mais c'était qui, ces bonhommes horribles? On les connaissait même pas. Ils ont encerclé le vulnérable et ils l'ont... Aïe, oh! Hey, c'est brutal! Monsieur le vulnérable, vous nous entendez? Elle est pas vite, là, elle. C'est pas une 100 watts, comme qu'on dirait ici au Québec. C'est pas bon, ça. Déjà qu'il allait pas bien, ce gros trou ne fait qu'empirer les choses. So, la graine de vitalité pourra pas aider ce gros trou-là, je pense. Oh, mais! J'ai une idée. Regarde ce trou. Il ressemble à ceux que l'on rencontre ici et là. Si ça se trouve, tu peux le reboucher aussi avec des confettis. Tu veux essayer d'appuyer sur les ailes pour voir? Ben, I guess. J'ai d'autres choses à faire. J'ai pris ça pour rien, tabarnak! Puis j'en ai pris deux! T'es-tu fucking mongol, tabarnak? Hey, c'est quelqu'un qui se trompe de piton. Hey, c'est bien con, ça. Là, je suis en calice. Ok, I guess not. Oui, répare-toi ici. Là, je suis en... Bon. Et une dernière chose, ne faites pas un pas de plus, ça va. Oh. J'étais en train de faire la leçon à une bande de petits malotrus quand tout est devenu noir. La vieillesse est un vrai naufrage. C'est moi qui vous le dis. Le vénérable est de retour. Voyons voir. La moustache est en place. Les sourcils broussailleux aussi. Ouais. Tout est en ordre. Oh, merci, notre bien-aimé Dwayne n'est toujours que l'ombre de lui-même. Mais au moins, il est redevenu une ombre complète. Bon, on dirait qu'il est revenu à la normale. C'est-à-dire dans un état plutôt lamentable, mais stable. Ouais. Là, si je vous parle, le vide qui le rongeait a été comblé. Celui qui était visible tout au moins. Quel soulagement de retrouver le vénérable au niveau de délabrement auquel on avait réussi à s'habituer. Il a besoin de cette graine pour retrouver les bourgeons dès le premier jour. Ben, on va lui donner ça, I guess. Alright, dude. J'ai ta graine. As-tu quelque chose pour moi? Yes, sir. Mange la graine. Alors, ça marche? Comment vous vous sentez? Je sens qu'il se passe quelque chose. Attention, les filles. Ça va swinguer. So, là, il a donné une graine. Il a mangé la graine. Puis là, il dit, fais attention, les filles. Ça va swinguer. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Pour digérer ça. That's weird. Oh.
Ben là, je m'attendais pas à ça. What the f... Oh, dude. Holy crap. Ça alors, c'était extraordinaire, monsieur le vénérable. Ça m'a fait penser à... Tu sais, le dernier jeu de Mario, quand les plantes se mettent à chanter, ça m'a fait vraiment penser à ça. Super Mario Wonder, je parle. Vous avez l'air en pleine forme, je suis content pour vous. Ah, ça fait du bien. Par où ça pousse? Cette toute petite graine, c'était la solution pour que je me remue enfin un peu les branches. Me revoilà jeune et plein de vie. Je n'avais pas de raison de vous retenir plus longtemps. À moins que vous ne vouliez encore danser. Non, I'm good. Abrisseau, ouvrez la voie à notre ami moustacheux et sa charmante petite acolyte. C'est parti. J'espère qu'on va enfin pouvoir se remettre en route pour le château. Allons-y, Mario. J'ai mis fait vraiment du souci pour ton frère. Au revoir, monsieur le vénérable. Content d'avoir pu vous rendre service. Hop! Je ne comprends pas qu'il y a un point que je fais ça. C'est quelque chose de nouveau. On a un bon vieux temps. Le plus cool, ça va. Quoi? Vous allez me manquer, revenez quand ça vous branche, ok? Merci pour toi, bonne chance pour la suite. Alright, c'est cool. Et on va poursuivre notre aventure dans une nouvelle direction. Yes, je vais devoir qu'est-ce qu'on arrive. Un tir, alors on va en profiter. Hein? Ok, 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 dude. Là, je peux-tu faire ça? Ok. Examiner. Défense d'entrée, à moins que vous ne vouliez plus jamais rentrer chez vous. Le message est plutôt clair, hein? Et ouais, j'ai bel et bien été taillé dans une branche du vénérable. Ok. En fait, ça pourrait être pire. Mon oncle a fini en cure-dent. Ouch. Enfin. Ok. Ok. On frappe les armes, on continue à patcher les trous. C'est ça qu'on fait dans la forêt, nous autres. Des pièces. Encore une fois, c'est un mystère pour moi. Ah, c'est cool qu'on voit l'ombre. That's nice. Oh non, il y a un toad là. Eh, bah, boy. Tiens, regarde quoi ce truc coincé dans l'herbe. C'est un toad. C'est une tête minuscule avec un énorme chapeau. Ou une tête affreusement disproportionnée. Aussi connu comme une tête de graine. Eh, bon boy, je suis un taube. Ouais, ça ressemble à ça, un taube. C'est pas du tout que ce que je m'imaginais. C'est parce que mon visage est plié en quatre. Aidez-moi. Mario, ne me laisse pas comme ça. Ah, ta gueule! Oui. Alors, ça va déjà mieux. J'ai juste besoin d'être petit, je crois. Ah, pas de problème. J'ai retrouvé ma platitude, youpi. Excusez-moi, brave Toad, mais si c'est pas indiscret,
Comment vous vous êtes retrouvé tout chiffonné comme ça? Aussi, je me pose ça comme question. Il s'est passé une chose affreuse, absolument effroyable. Ce drôle d'individu, tous les sont arrivés et se sont jetés sur nous d'un pas lent, ultra déstabilisant. Quand on a enfin compris ce qu'il faisait, l'affaire était pliée, si j'ose dire. Mais pourquoi c'est toujours des taux qu'ils prennent, bon sang? C'est de la persécution, voilà ce que c'est. Ça ne fait pas deux. Les ciboires de mon frère sont à l'œuvre. Les spires. Ça veut dire quoi ce mot-là? Je sais qu'on a déjà un programme chargé, Mario. Mais peut-être qu'on peut aider les taux qu'on croise en route. Hein? Oui? Tu ne le regretterais pas, d'ailleurs. Laisse-moi prendre un engagement au nom de tous mes semblables. Nous, taux de tous horizons, jurons de venir t'encourager lors des combats lorsque tu appuieras sur Y. Et plus nous serons nombreux à t'encourager, plus tu en récolteras les bénéfices, tu as ma parole. Par contre, je tiens à préciser qu'on ne le fera pas pour des cacahuètes. Ça me fait penser, je pense à Thousand Year Door, ça fonctionne comme ça. Va falloir allonger les pièces, ne serait que pour couvrir nos soins médicaux en cas de coup dur. C'est correct, je suis riche, moi. Je sais pas qu'est-ce que je vais avec mon argent. Des encouragements contre des pièces. C'est un malin, cet homme. Ah, c'est un crosseur. Mais c'est vrai que dans le feu de l'action, ça doit aider d'avoir le public de son côté. Sauvons tous les taux que nous pouvons, Mario. Comme ça, on aurait une foule de fans. J'apprécie la musique. Tu sais, la radio tantôt, là. En plus, bon. Quand on a réussi, ça change. C'est cool, ça. I like it. Je sais que... il y a quand même plusieurs views, les deux premières vidéos. Sais-tu? Ah, je vois le haut-parleur, là, c'est cool. Mais sérieux, ce jeu, c'est qu'il est... je trouve cool, mais il est pas... on dirait qu'il est pas trop aimé. C'est peut-être parce que j'ai pas joué à... Paper Mario, je l'ai juste joué un petit peu. Sur ma chaîne, je pense que je suis en l'épisode 4. Puis Thousand Year Door, je l'ai jamais joué. Alors, peut-être c'est une bonne idée que je commence par ce jeu ici. Ouvrir. Enfin, il y a quelque chose là-dedans. Bien cool, la petite musique. Plus tu t'approches du speaker, plus tu t'approches du haut-parleur, plus que tu attends la musique. Ouvrir. Oh boy. Oh, il va te avoir un gros paquet à sauver, mais c'est tout de même, ça marche. Mais si, Mario, tu sais que ce qu'il manque cruellement dans une tente, les toilettes. Oh, ici non plus, il n'y a pas de toilettes. Check! Dude, tu veux une toilette, là? Il y en a une en bas, là, ok? Je peux-tu te lancer là? Je peux-tu faire un avion de papier avec toi, puis te lancer là? Ça serait marrant, non? Oui, il y a un Goomba, là. Je vois ce Goomba. On va ouvrir ça. Ben les amis, je crois qu'on va se laisser ici avec la petite musique, puis on va continuer la prochaine fois. Ben, j'ai l'impression que ce Goomba-là, ça va peut-être enchaîner une série d'actions. Puis c'est ça, je pense que c'est un bon temps pour l'arrêter. Alors, à la prochaine, aimez la vidéo et checkez une couple de vidéos de playlist qui apparaît à ma droite. Ok, bonne journée!